Alors que vous soyez ou non dans le monde des NFT, vous n'avez pas pu échapper au phénomène des NFT. Tout le monde en parle, les médias traditionnels, les médias spécialisés forcément, et même les artistes eux-mêmes. On entend pas mal d'histoires. Alors des histoires incroyables de simples JPEG, hein, pour le dire comme ça dès l'introduction, qui se vendent des milliers de dollars, des plateformes de marketplace de NFT qui explosent, des artistes qui s'y mettent, des histoires où des personnes nous racontent qu'elles sont devenues riches du jour au lendemain en vendant des NFT. Et enfin, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place de façon fulgurante en quelques mois. Et devant un tel phénomène, et aussi surtout devant une telle incompréhension de la chose, parce qu'on n'a pas encore de grandes théories, on n'a pas encore de recul sur ce qui est en train de se passer, j'ai décidé de faire donc ce guide ultime. Alors le but, la promesse de cette série de vidéos, c'est pas seulement de comprendre ce qui se passe derrière les NFT, de comprendre que c'est un nouveau business en fait qui prend forme, c'est aussi de vous montrer comment vous aussi, vous pouvez prendre une part du gâteau. Une belle part du gâteau. De vous montrer en fait tout simplement les étapes, ce qu'il faut savoir et comment vous aussi vous pouvez vous insérer dans les NFT. Alors autant que vous soyez créateur, artiste ou simplement entrepreneur ou comme moi un investisseur, quelqu'un qui veut participer à ces projets-là et trouver les meilleurs projets. Alors ce guide ultime, il a été découpé avec des vidéos bien spécifiques et je vous recommanderais de les suivre de manière consécutive histoire de pas rater des informations essentielles et de pas rentrer n'importe comment dans les crypto-monnaies. Il y a des informations essentiel à savoir si vous voulez bien faire les choses et très concrètement si vous voulez gagner de l'argent, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas non plus l'Eldorado, c'est pas comme gagner au loto, il y a des choses à savoir, il y a des outils à utiliser et c'est donc ce que je vous propose avec le guide. Alors voilà pour la présentation, pour cette première vidéo, donc c'est une vidéo un peu d'introduction sur la NFT qui est faite surtout pour démystifier tout ce que vous croyez savoir sur la NFT parce que je sais que quand on lit la presse, on n'a pas forcément une bonne compréhension des NFT tout simplement parce que les médias classiques n'ont pas forcément compris les phénomènes puisqu'il est tout à fait nouveau, il est en train de se dessiner devant nos yeux, encore une fois on est à la pointe de l'histoire. Et donc maintenant on peut commencer avec le premier chapitre. Alors, si vous pensiez que les NFT, c'est qu'une histoire de JPEG ou de PDF, laissez-moi vous dire d'emblée que vous vous trompez largement. Même si au départ, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'au départ, un NFT, dans ce qu'on a vu, c'était surtout une représentation d'un art digital, et on a vu les records avec Beeple, etc., donc des artistes qui étaient déjà un peu reconnus dans la vie réelle. Mais très rapidement, on a commencé à braquer en fait les projecteurs sur d'autres formes de NFT, et on a connu bien évidemment l'essor, et jusqu'à maintenant, au moment que je vous fais la vidéo, des NFT, des jeux vidéo. Et là, ça a été vraiment plus simple. C'est peut-être comme ça aussi qu'on a compris l'utilité et l'avantage des NFT. C'est-à-dire que là, ça devenait plus logique pour nous autres, hein, communs des mortels, de comprendre pourquoi on payait cher tel ou tel NFT, parce qu'on nous disait, eh bien, c'est une arme dans un jeu vidéo, c'est tel avatar pour tel jeu. Donc tout ça a été logique. C'est peut-être un peu plus difficile pour comprendre Beeple, etc., parce que là, finalement, les critères, ça reste plus ou moins les mêmes qu'avec que dans l'art traditionnel. Et si vous comprenez pas pourquoi Jeff Koons explose et se vend et que ses œuvres se vendent des millions, bah, ça va être tout aussi difficile de comprendre pourquoi Beeple aussi se vend cher. Donc nous, dans le domaine des crypto-monnaies, pour l'instant, en tout cas dans cette vidéo, on va pas trop s'intéresser aux NFT de l'art digital, ni à celui des jeux de vidéo, parce que déjà j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre forme des NFT. Celles qui connaissent en fait des ventes records, celles qui font de plus en plus parler d'elles. Et c'est cette forme-là aussi qui suscite le plus d'incompréhension, surtout quand on est néophyte. On ne peut pas comprendre de prime abord, surtout si on n'a jamais entendu parler des NFT et des cryptos, pourquoi ces NFT valent aussi cher. Alors pour vous donner une image concrète, on va aller simplement ensemble sur une marketplace. J'ai choisi Alpha Art. Il faut savoir qu'il y a plusieurs marketplaces. Là en l'occurrence, Alpha Art, c'est sur les NFT sur Solana. Et là par exemple, on va sur la collection des gènes AP Academy, que peut-être vous avez entendu parler parce que vraiment les ventes sont records, on parle de 100 000 SOL qui sont vendus et 100 000 et SOL. Je vous rappelle que 100 000 SOL, ça fait au moment où je vous parle, où je fais la vidéo, plus de 21 millions de dollars. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'argent qui sont échangés et bien évidemment, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi ça vaut aussi cher? Pourquoi ce singe qui est, bon, là pour le coup, il y a une valeur esthétique, enfin il est plutôt agréable, c'est en
3D comparé aux autres. Mais j'aurais pu vous montrer d'autres, là je vous montre rapidement sur mon écran, d'autres NFT qui valent encore plus cher et dont le dessin graphique ne casse pas des clous. C'est-à-dire que la valeur des singes que vous voyez là avec 50 sols vendus, c'est pas parce que le singe est beau, vous pensez bien que ça dépasse ça. Et de la même manière que les autres pixels comme CryptoPunk ou HMask ont levé des millions, c'est pas pour la qualité esthétique. C'est très différent ce type de NFT que les NFT de type artistique comme ceux de Beeple. Okay. Et par rapport à ça, il faut absolument que je vous explique dès maintenant la façon dont sont créés la plupart des NFT de ce type-là. En fait, c'est ce qu'on appelle l'art génératif. C'est un algorithme derrière qui va créer ces NFT. D'ailleurs, les personnes qui achètent les NFT en pré-mint, c'est-à-dire quand elles vont être les premières à le minter sur la blockchain, il faut savoir qu'elles ne savent pas à quoi ça va ressembler. Très souvent, quand on le fait, on a simplement un point d'interrogation, donc c'est l'inconnu total, ou alors on nous montre un peu à quoi ça va ressembler, mais on ne sait pas sur quel NFT on va tomber. On peut choisir ces NFT que sur le marché secondaire. Ce qui fait la valeur d'un NFT, c'est pas du tout sa représentation. Vous pensez bien, même moi, là, je peux en imprimer un petit singe, je peux même le dessiner, je peux prendre un freelance pour le faire, je peux faire un cadre autour. C'est pas ça qui compte, c'est pas non plus le fait d'avoir la technologie derrière du NFT. Ce qui fait la valeur de ce NFT, c'est son utilité dans un cadre donné. Très clairement, c'est la chose qu'il faut comprendre des NFT. C'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi des gens sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour avoir ce pixel-là. Et vous savez, je ne suis pas dupe. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui se disent au moment-là, en regardant cette vidéo, en disant « mais ils sont complètement débiles, les personnes qui mettent autant d'argent dessus. » D'ailleurs, il y a des personnes qui dépensent plus de 600 000 euros pour quelques NFT. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est le prix d'un appartement, oui, c'est le prix d'un business. Et je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui se disent qu'elles sont complètement débiles, elles savent pas gérer leur argent, ils ont trop d'argent, ils savent pas quoi en faire, moi je ferais mieux. Vous pensez bien que les personnes qui font ça, elles sont pas bêtes, elles savent très bien dans ce qu'elles font. C'est un peu l'équivalent, hein, pour vous le dire comme ça, pour prendre une image simple, c'est un peu l'équivalent des personnes qui ont investi dans le Bitcoin en 2008, en 2010, avant tout le monde, parce qu'elles ont pressenti, elles ont misé sur l'avenir, alors que nous autres, comme un des mortels, on était là à pas comprendre et à dire que c'était des débiles. Et donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre, pourquoi c'est des investissements qui sont viables, pourquoi ces mecs sont finalement loin d'être débiles mais carrément intelligents et en avance sur nous autres tout simplement, et c'est l'objet de du chapitre 2 justement. Alors le chapitre 2, j'avais tellement hâte, j'ai fait cette vidéo hein, pour arriver à ce chapitre-là. Ce qu'il faut comprendre quand quelqu'un achète un NFT, donc encore une fois, là vous avez compris que c'est pas simplement un JPEG, en fait il va acheter un actif qui va être utilisé dans un cadre donné, dans une entreprise. Alors il y a plusieurs formes de business model, ça dépend en fait du projet. Par exemple, ce NFT va être en fait un avatar dans un jeu vidéo, un jeu 2D, un jeu 3D ou dans une métaverse. C'est vraiment l'exemple le plus bateau que je peux vous donner, mais parce que c'est ce qui se passe le plus. Et il faut savoir qu'il y a des choses très concrètes qui se font. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai envie d'investir, mais très fortement, sur un projet qui nous permet, avec nos NFT, en fait, à tous ceux qui les détiennent, de recevoir des packs de café d'une certaine marque. Par exemple, ce NFT va me donner des avantages physiques. Je recevrai ma boîte de café. C'est un projet que j'aime beaucoup parce que justement je trouve qu'il représente bien le futur des NFT. C'est pas anodin si je vous ai donné ces exemples concrets parce que je voulais vraiment que vous voyez le type d'avantage qu'on peut avoir. Mais il faut savoir que 90% des cas de NFT, on n'a pas nécessairement d'équivalent physique. Les avantages qu'on va avoir, ils vont être digitaux. C'est par exemple, on va pouvoir faire partie d'une communauté, on va pouvoir participer à des sondages, on va pouvoir en fait aussi profiter, et c'est ça le plus intéressant, et c'est ça aussi qui fait que certains NFT valent très cher. C'est qu'on va pouvoir aussi profiter de certains revenus, des revenus liés au projet. Parce que, oui, on en avait déjà parlé la dernière fois, faut pas oublier que quand on crée des NFT, on met un système de redevance. Vous savez, les royalties version crypto. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura des ventes secondaires, en fait à vie, à chaque fois, il y a une part du pourcentage de la vente, ça peut être 5%, 10%, c'est le créateur qui la règle, qui va être reversé automatiquement, sans qu'il fasse rien du tout, sur son portefeuille. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de créer les NFT en soi, il suffit d'être détenteur ou de le revendre une deuxième fois pour que à vie vous touchiez les redevances. Et il y
y a aussi un système très utilisé dans les NFT, pour vous parler de business model, hein, où là, il suffit d'être simplement détenteur, où il y a une pool, en fait, une pool collective, dans laquelle tous les revenus, donc des redevances, sont versés et qui sont redistribués de manière automatique à tous les détenteurs. Vous pensez bien que les personnes qui investissent des milliers de dollars dans un token, elles ne sont pas simplement débiles ou dégénérées, comme on peut l'entendre. Elles savent très bien ce qu'elles font. Elles investissent dans un actif qui a une certaine valeur à un moment donné ou qui va en prendre avec le temps. Et donc, si le projet a mis en place, et très souvent maintenant ils le font, des sortes de business model internes, vous allez aussi gagner. C'est pour ça que les gens achètent des NFT aussi chers, c'est parce que la plupart du temps, c'est des NFT qui leur apportent de l'argent, pas seulement en faisant de l'achat-revente, c'est aussi des NFT qui leur apportent de l'argent quotidiennement. Donc vous voyez, ce qu'il faut comprendre, là où c'est important, c'est qu'un NFT, comprenez encore une fois, qu'il va générer de lui-même des tokens. Il va générer de l'argent, si vous voulez, à leur propriétaire. Et c'est ce qui explique pourquoi ça coûte aussi cher. C'est ce qui explique pourquoi il y a des personnes qui mettent autant d'argent dessus. Et moi-même, vraiment, très sérieusement, je vous le dis sincèrement, j'hésite à vendre certains tokens que j'ai pour les investir en fait dans les NFT. Je vais finir par vous parler du business model qui commence à faire sensation. C'est peut-être le plus intéressant, moi c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment. J'ai prévu une vidéo sur le sujet, vous allez voir, mais c'est dingue. Et il s'agit des NFT qui génèrent aussi des revenus passifs, mais de manière conséquente. Pour le coup, il faut que je vous parle de CyberConks. Alors vraiment, tout le monde en a parlé parce que je pense qu'ils ont tout simplement marqué un tournant dans l'histoire des NFT, et en l'occurrence parce que certains des NFT de la collection, 1000 pour être précis, génèrent chaque jour 10 tokens banana, c'est-à-dire que les détenteurs de ces NFT-là, d'ailleurs maintenant ça coûte très très cher, vous ne pourrez pas en avoir à moins de 10 000 dollars, en fait chaque jour ils peuvent se connecter sur le site et réclamer leurs 10 tokens banana. Seulement si vous êtes aguerri et que vous regardez souvent cette chaîne, normalement dès maintenant il faudrait avoir votre esprit critique qui monte en me disant « oui mais attends, qu'est-ce qu'on s'en fiche des 10 tokens banana ?» Ça sert à quoi ces tokens banana là? Et puis ils pourraient en gagner 10 000 qu'on s'en fiche. Mais en fait, il faut savoir que les tokens banana, les fondateurs vraiment ont été intelligents pour le coup en amont. Et ils ont pensé à tout un système, à tout un business model pour rendre les tokens banana utiles. En gros, on peut utiliser les banana tokens pour acheter des équipements, pour modifier son avatar. Et ça va être aussi la monnaie utilisée pour le futur jeu de CyberConks qui va sortir sur les smartphones. Attention quand même, il faut prendre des pincettes. Il ne suffit pas maintenant, à la fin de cette vidéo, de vous ruer sur les marketplaces et d'acheter des NFT. Il y a des choses à savoir, il y a des indices, il y a des critères à regarder, et même par exemple pour l'exemple de CyberConks, faut savoir qu'on n'est pas encore sûr, ça reste quand même un pari, on n'est pas sûr que l'équipe derrière ou que la communauté va rester toujours sur le projet, qu'ils vont vraiment sortir le jeu vidéo, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même une part de risque, ne l'oubliez pas. Pour clôturer, je me sens quand même obligée de vous dire qu'il n'y a pas que de la spéculation, c'est-à-dire qu'on n'investisse pas forcément pour faire de l'argent ou que de l'argent. Moi, je le vois à mon niveau, par exemple, il y a plein de projets sur lesquels j'ai envie de rentrer et c'est vraiment pas que l'argent qui m'anime, soyons clairs quand même. Oh wow, much love! Il y a beaucoup de projets où le pool collectif sert à financer des organisations caritatives. Là, je pense par exemple au dernier projet de Beluga. Et la fondatrice derrière, elle a que 14 ans. Elle fait pas mal d'interviews. En tous les cas, elle, par exemple, c'est un bel exemple de quelqu'un qui est devenu riche au lendemain grâce aux NFT, mais en plus en faisant quelque chose qui est éthique et noble. C'est-à-dire que tout l'argent généré par ces NFT, en fait, il y a une grosse partie qui est reversée à des associations pour défendre les Belugas. Et il y a beaucoup, beaucoup de projets de ce type. Là. Donc voilà, j'étais obligée de finir avec ces exemples-là pour vous dire que parfois, et moi aussi je le fais, j'ai deux façons d'investir. J'investis de manière spéculative simplement pour me faire de l'argent, je vais pas vous mentir, sur certains projets bien définis. Et puis il y a d'autres fois, comme pour l'histoire du café, où je le fais par sympathie pour le projet parce que ça me plaît, et là c'est complètement déconnecté du fait de gagner de l'argent ou pas. Je pourrais même en perdre que j'aurais envie de rester dans ce projet. Donc voilà, il faut faire la part des choses. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on a n'achète pas encore une fois un NFT comme ça, juste parce que c'est une image qui est belle et que les gens vont garder dans leur portefeuille. Il y a tout
y a tout un système, il y a tout un écosystème qui se passe. On fait partie d'un groupe, d'une tribu avec les mêmes valeurs, on va pouvoir avoir une voix, ça c'est hyper important, on va pouvoir participer et développer un projet, on va être avec des membres, et on aura en plus des avantages donc exclusifs. Et en bonne crypto-évangéliste que je suis malgré moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est franchement, vous avez déjà vu un système, un business comme ça, qui peut être à la fois générateur de revenus pour tout le monde en plus, de manière égale, que ce soit les personnes qui l'ont créé, les personnes qui y participent ou les personnes qui les détiennent tout simplement, et en plus qui peuvent servir des bonnes causes. Je veux dire, là on est vraiment dans l'utile et l'agréable, c'est une forme de nouveau business qui est formidable. J'espère quand même, vraiment, j'aurai réussi pour moi mon travail, si vous avez un peu mieux compris ce qui se trame avec les NFT, et si c'est pas encore très clair, si j'ai pas été très clair, ce qui est très possible, ne vous en faites pas, parce que pas mal de vidéos vont suivre, et j'ai écrit aussi beaucoup d'articles sur le sujet. Donc encore une fois, je vous invite à regarder Zone Bitcoin, l'écrit, hein, moi je dis toujours qu'avec l'écrit on comprend mieux, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a vraiment, on est vraiment en train de changer de paradigme, c'est fabuleux ce qui se passe, et on a une chance folle, ne l'oubliez pas, de faire partie de cette petite communauté de personnes qui sont au courant de ça, qui sont vraiment à la pointe de ce qui se passe dans le futur, c'est génial. Donc voilà, j'attends de lire vos commentaires avec impatience, et puis bah, vous savez quoi, dès que je vais finir celle-ci, je prépare déjà les autres vidéos, il y en aura quand même beaucoup. Merci encore de votre attention, j'espère que vous en profiterez bien.